Hello, c'est Muriel, la typo Miss Purple Coach, et c'est ma pépite de branding. Waouh, enfin, on va pouvoir souffler, et puis les networking vont reprendre de plus belle, les networking en présentiel vont pouvoir vraiment se voir comme ça, des visites, ça va être juste waouh, et j'ai hâte de pouvoir reprendre le networking parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai une session super waouh avec des femmes inspirantes et ça a été waouh. Alors, je voudrais te donner ma pépite de branding, networking. Comme quelqu'un dit, ton network is your net worth. Ton network, c'est ton network. Donc, c'est vraiment important que tu puisses vraiment booster ton réseau professionnel parce que c'est là où est ta valeur. C'est vraiment ce que les gens disent de toi, comment tu vas pouvoir t'appuyer sur ton réseau, ce que tu vas pouvoir apporter, bien sûr, c'est en donnant qu'on reçoit. Donc, t'appuyer sur un réseau fort et de pouvoir, comme je le dis, hein, donc inspirer toute une communauté autour de ta marque, ce que j'appelle les bons contaminateurs du bon virus de ta marque personnelle. Tu as vraiment besoin de t'appuyer sur ton réseau professionnel. Et là, les beaux jours dont tout arrive, c'est l'opportunité de pouvoir networker. Donc, networker, ça peut être tout simplement une rencontre en one-on-one autour d'un café, que ce soit virtuel ou en réel. Mais dans tous les cas, ce qui est important quand tu networkes, c'est de te poser la question, ben, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur à mon interlocuteur? Qu'est-ce que j'apporte sur la table? Qu'est-ce que je veux communiquer? Qu'est-ce que je veux transmettre? Donc, ça, c'est vraiment super important d'avoir un objectif quand tu networkes, mais pas seulement networker pour networker. Considère que le temps que tu passes à networker, c'est du temps investi. Il faut que ça te rapporte. Donc, aie toujours un objectif et toujours une intention. C'est très important. Du coup, qu'est-ce que tu veux que ton interlocuteur ressente et sorte avec cet échange? Donc, c'est important de pouvoir aussi te rendre compte comment les gens se sentent autour de toi parce que tu es l'ambassadrice de ta marque et que tu veux connecter. Beaucoup communiquent, mais peu connectent. Donc, comment connecter durant une session networking? Les premières 20 secondes, soit ça passe, soit ça casse, et tu veux créer l'effet waouh, tu veux qu'on se souvienne de toi, donc en termes de ton image, en termes des couleurs que tu portes, en termes de ce que tu transmets dès les premières secondes, donc ça c'est vraiment important de créer l'effet waouh. J'ai hâte de t'en dire plus dans la prochaine pépite de personal branding, et sur ce, je te dis bon networking, à très vite.